Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette émission de 15h au sommaire ce journal. Géothermie, la Casale, la marche finale vers l'énergie propre avant 2020. Et aux États-Unis d'Amérique, Barack Obama lance un plan d'aide fédérale pour la Floride. Bonjour et merci de nous rejoindre. La marche finale pour devenir le premier pays africain à utiliser l'énergie verte à 100% a démarré hier avec le lancement du programme de forage des sites géothermiques au lieu dit Galle-Goma ou Lacazal, un secteur de pôle de développement au carrefour des régions. Le coût d'envoi de ce programme géothermique reste durant plusieurs années dans les cartons et a été donné hier par le président de la République en présence de tous les officiels venus de la capitale, dont la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les responsables régionaux et dont le sultan Tajoura ainsi que le représentant et partenaire ont participé également à cette importante cérémonie qui a eu lieu hier, outre le chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, l'ensemble des membres du gouvernement, de très nombreux députés, ainsi que les autorités civiles et militaires. De l'énergie géothermique a connu une multi-évolution et un nouvel élan est désormais lancé par le chef de l'État. Il s'agit en effet du premier programme géothermique financé et géré entièrement par la République de Djibouti avec le soutien technique d'un ensemble de sociétés turques. Il s'agit de trouver une vapeur chaude contenant moins de soluté. Cette forte volonté du président Guelleh de compter sur l'énergie géothermique se manifeste de nouveau. Et pour le ministre de l'Intérieur, tenu par intérim par M. Mahmoud Aramis, également ministre de la décentralisation, ce projet sera une importante capitale pour notre population qui se mobilise pour participer à la sécurisation des sites pour développer dans les secteurs de développement de base. Et dans une interview, le ministre de la Région, Tadjora, a félicité le président pour la concrétisation de ce projet d'énergie géothermique au Lacassal. Il a lancé un appel à la population de s'engager dans sa mise en œuvre du projet et s'en oppose de tout ce qui peut freiner sa réalisation. La population a le droit de défendre les projets destinés à améliorer leurs conditions de vie, tels que le programme de réalisation pour lutter contre la soif et la marche de sécurité énergétique avec le lancement du programme de l'énergie géothermique de la Cassale. Et les participants à la cérémonie du Lacassal, M. Jalaluddin et Barakoutaï Saïd, et les officiels ont félicité le président pour sa volonté de concrétiser le développement de l'énergie géothermique, estimant que c'est une assurance pour les Géotiens dans l'automisation de l'énergie. Le lancement de ce projet au Lacassal est un grand pas vers l'automisation de l'énergie de notre pays. Avec l'interconnexion avec l'Éthiopie, le grand projet solaire du Grand Barrage, ce projet vient de sceller les dispositifs en énergie de Djibouti, assurant que tous les Djiboutiens disposeraient de l'énergie à Djibouti énergétique. Une assurance pour les Djiboutiens pour se lancer dans le projet créateur d'emplois et permettra aussi le développement d'un des plus beaux sites touristiques de la Cassale. Et le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, poursuit sa mission au Palais des Nations à Genève. Du HCR. Forage géothermique de Galle-Koma, que vient d'inaugurer le président de la République, est un grand pas vers l'autonomisation en énergie de la République de Djibouti. Avec l'interconnexion,
le centre, le méga-centre solaire au Grand Bara et donc le projet de forage de Lac Assal qui vient sceller en fait les dispositifs donc sécuritaires en énergie de Djibouti. Donc c'est ce projet, surtout le développement de la région de Lac Assal, est une assurance pour tous les Djiboutiens qui vont pouvoir développer des projets créateurs d'emplois et donc développer surtout un des plus beaux sites de Djibouti, sinon du monde. Première chose, c'est de se féliciter en tant que citoyen djiboutien pour cette initiative qui vient de Son Excellence le Président de la République de Djibouti, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et le féliciter pour avoir véritablement eu cette volonté pour concrétiser ce projet pour lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui. Et je suis personnellement très heureux de voir que ce domaine de la géothermie aujourd'hui trouve un nouveau chemin pour l'exploration et le développement. Je pense aussi aujourd'hui à féliciter la nouvelle institution qui a été créée, l'Office de développement de l'énergie géothermique, et en particulier son directeur, le docteur Kayat, qui a accompagné donc toutes les différentes activités jusqu'à aujourd'hui à mener ce chantier et à démarrer le premier forage pour l'exploration de ce réservoir à moyenne profondeur de moyenne enthalpie et qui, l'on espère bien entendu, permettra un nouveau démarrage dans la contribution de la production de l'énergie électrique. En effet, comme je vous le disais, le ministre de l'Intérieur, Hassan Moumar Mohamed, poursuit sa mission au Palais des Nations à Genève, où il participe à un forum en marge de la 67e session du comité exécutif du HCR portant sur la situation en Somalie. Ce forum auquel ont assisté un grand nombre de délégations de haut niveau, ainsi que le représentant du HCR pour la Corne de l'Afrique, avait pour objectif d'échanger sur les voies et moyens d'identifier les stratégies novatrices en vue de parvenir à des solutions durables pour les réfugiés somaliens. Et dans une intervention très remarquée, le ministre de l'Intérieur a rappelé les grandes lignes de la politique extérieure de notre pays en matière d'accueil des réfugiés et réaffirmé la nécessité pour la communauté internationale de continuer à appuyer les autorités somaliennes dans leurs efforts de pacification et de restauration de l'État. En nouvelle du pays, toujours un atelier sur la réglementation des activités des producteurs indépendants d'électricité s'est tenu hier matin dans la salle de conférence au Palais du Peuple. L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité de Djibouti à participer activement à la lutte contre le changement climatique, améliorer la gouvernance climatique par l'intégration du changement climatique dans quelques politiques sectorielles clés et la réalisation des projets de terrain s'inspirant dans les priorités de plan d'action nationale d'adaptation. L'atelier a vu la participation de plusieurs experts du ministère de l'Énergie et des personnels de l'énergie de Djibouti, animé par l'expert français Xavier Gluber. Et donc de présenter le cadre, le nouveau cadre réglementaire du secteur de l'électricité pour la production indépendante d'énergie, qu'il s'agisse d'énergie fossile, mais surtout l'objectif est de développer les énergies renouvelables à Djibouti. Bien, Djibouti, comme dans les autres pays africains, on développe en ce moment, ou d'autres ont déjà développé, des politiques d'énergie renouvelable visant à permettre l'intervention d'opérateurs privés, donc d'investissements privés. Et pour ça, ces investisseurs demandent à ce qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit clair, assure la sécurité des investissements et soit en même temps favorable au développement des énergies renouvelables. Et le président de la commune de Blaos a dirigé hier matin une réunion d'information avec les différents élus locaux et les représentants des quartiers. Celui-ci portait sur l'adaptation d'un contrat de bail dans les différents quartiers de la commune de Blaos. Cette décision survient suite aux interminables litiges entre propriétaires des maisons et leurs locataires sur le paiement des loyers, le règlement des factures d'eau, d'électricité, à la fin de l'accord de location et enfin sur l'entretien des maisons. Et à cet effet, le président de la commune de Blaos, Saïd Abdi Elmi, a plaidé sur la signature d'un contrat de bail entre propriétaires des maisons et locataires. Daté du mois d'avril 2016, relatif à l'adoption du contrat de location locale. J'ai l'honneur
de communiquer à l'ensemble des concitoyens de la commune de Blaus et plus particulièrement aux habitants des quartiers populaires que le contrat de location locale entre en vigueur ce jeudi 6 octobre 2016. Ce contrat a pour but de mettre fin à la location de gré à gré entre le propriétaire et le locataire. Ce contrat interdit aux propriétaires djiboutiens de louer leur maison à des personnes étrangères ou résidents illégaux, sauf s'ils ont doté du séjour. Enfin, pour la sécurité de notre pays et celle de nos concitoyens, quelques exemplaires de ce contrat seront transmis à la police et à la gendarmerie nationale. Une chose est sûre, aucune plainte ne sera acceptée par l'autorité communale à partir de la mise en vigueur de ce contrat. Et à l'occasion de la nouvelle année scolaire, l'école saoudienne de Tajoura a organisé une cérémonie en présence du préfet de Tajoura, Abdelmalek Mohamed Bounaïta, du président du conseil régional Hassan Hussein, du sultan de Tajoura et du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne. C'est tenu hier à Tajoura. Les élèves de l'école ainsi que les enseignants et les responsables saoudiens ont participé à la cérémonie en haute en couleur et en animation sur les thèmes religieux. La cérémonie a été une occasion pour remettre des prix aux meilleurs élèves de l'école. L'école saoudienne de Tajoura tient à dire que dans une éducation, notamment dans l'enseignement général et dans l'apprentissage des perceptions de notre, en vue de notre religion. Actualité hors de nos frontières à présent, la Russie menace d'abattre tout jet et qui s'en prendrait à l'armée d'Assad. La Russie prévient toute frappe contre l'armée syrienne serait considérée comme mettant en danger les troupes russes en Russie et serait suivie d'une réplique forte. Les États-Unis réfléchiraient en effet à lancer des offensives limitées contre les troupes de Bachar al-Assad pour faire cesser les bombardements sur Alep. Le porte-parole de la défense russe s'est montré hier très explicite. Je voudrais recommander à nos collègues de Washington de bien peser les conséquences d'un tel plan. J'aimerais rappeler aux stratèges américains que la défense aérienne de nos bases près d'Alep est assurée par des systèmes anti-aériens S-400 et S-300 dont le rayon d'action pourrait surprendre n'importe quel appareil volant non identifié. Les menaces fusent entre mais en attendant, des dizaines de civils meurent tous les jours dans les quartiers d'Alep et dans le parti tenu par les rebelles et pionnés sans relâche par l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe. Et pour finir, l'ouragan Matthew, plan d'urgence fédéral pour la Floride. Le président Barack Obama a déclenché un plan d'aide fédéral pour la Floride sud-est qui va être frappé dans les heures à venir par le dévastateur ouragan Matthew qui a déjà fait plus de 100 morts dans les Caraïbes. En décrétant ainsi l'état d'urgence fédéral, le président permet immédiatement de débloquer les moyens fédéraux d'assistance et d'agences de sécurité intérieure et de gestion des situations d'urgence de coroner des secours selon un communiqué de la Maison-Blanche. Après avoir ravagé une partie de Haïti, Matthew arrive sur les États-Unis. L'ouragan le plus puissant depuis 2007 dans cette région du monde aurait fait au moyen 339 morts en Haïti, la partie sud-est de l'île ayant été la plus touchée. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous allons avoir l'appel à la prière juste avant le focus. De nous rejoindre, nous avons Idriss Adota sur le plateau. Bonjour Idriss. Bonjour.
Quels sont les sujets que vous allez nous évoquer aujourd'hui? Justement, on va revenir sur l'ouragan Matthew, mais d'accord, maintenant, c'est des Caraïbes, et plus précisément Haïti. D'accord. Selon les autorités haïtiennes, l'ouragan Matthew, le plus violent, a frappé les Caraïbes depuis près de 10 ans, a fait au moins 264 morts en Haïti. Les bilans risquent toutefois de s'aggraver, la partie sud-ouest du pays ayant été dévastée par la dépression. L'ONG CAR a affirmé qu'à Jérémy, c'est une ville d'environ 30 000 habitants, 80% des bâtiments ont été rasés. Les zones touchées en plein fouillis Haïti restent toujours difficiles d'accès, rendant difficile l'évaluation du nombre des victimes. Les gens seront bientôt à court de nourriture et d'argent, s'inquiète l'ONG. Dans le reste du pays, les vents et la pluie ont détruit des habitations, arraché des toitures et inondé des quartiers entiers. Des milliers de personnes ont en outre été déplacées. Les équipes de l'Agence américaine pour le développement international USAID ont observé un niveau de destruction important à Haïti avec de nombreux toits arrachés, des infrastructures endommagées, des communications coupées et des inondations, selon un communiqué. En République dominicaine, l'ouragan a tué 4 personnes. Aux Bahamas, Matthew est passé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Nassau, abattant des arbres et arrachant des tuiles de certains toits, sans toutefois causer des dégâts importants. L'ouragan se dirige maintenant droit sur la Floride, où il devait s'abattre dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le Centre américain de surveillance des ouragans. Matthew est remonté ce jeudi en catégorie 4 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui compte 5 rangs. L'impact pourrait être désastreux pour la Floride, a mis en garde le Centre de surveillance américain. C'est le plus puissant ouragan touchant cette zone depuis des décennies. Après des vents à 210 km par heure, Matthew s'est trouvé à 120 km à l'est de la célèbre station balnéaire de West Palma Beach, à Désertpil en Suisse, et s'est déplacé à 20 km par heure. Il y a un risque d'inondation meurtrière sur les côtes de Floride, de Géorgie et de la Caroline du Sud, s'élant toujours les centres. Un plan d'urgence fédéral a été déclenché pour la Floride et la Caroline du Sud, permettant de mobiliser davantage de ressources. Et pour mon second sujet, ce sera les prix Nobel décernés pour les Colombiens Juan Manuel Santos. Et c'est finalement, on l'attendait, le président colombien Juan Manuel Santos qui s'est vu attribuer ce vendredi les prix Nobel de la paix 2016. Le comité Nobel a salué son action en faveur de la paix après l'accord historique conclu, comme nous le savons, avec les guerriers FARC, un accord qui doit mettre fin à un conflit meurtrier qui aura duré près de 50 ans. Voilà. Cassie Kullman-Five, présidente du comité Nobel, a souligné: cette récompense doit aussi être vue comme un hommage au peuple colombien qui, malgré des grandes privations et d'abus, n'ont pas perdu espoir en une paix juste, ainsi qu'à toutes les parties qui ont contribué à ces processus de paix. Un processus qui n'a pas encore abouti. Soumis à référendum, l'accord de paix a été rejeté d'une courte majorité par les Colombiens. Les prix Nobel a été justement attribué pour maintenir en vie les pourparlers. Le président colombien a en tout cas affirmé que les cessez-le-feu restent en vigueur. Voilà, merci Idriss pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur TGOT.